tous, Moussaillon, ici Faux Jumper, le capitaine. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça me tenait quelque chose aujourd'hui. Les amis, on se retrouve pour du Arc Mode. Merci beaucoup les amis. Comme d'habitude, pour te faire des pouces bleus, des commentaires et d'abonnements. C'est génial les amis, c'est génial. Et les amis, on va commencer cet épisode avec une rigolade. Vous allez voir tout de suite, regardez bien le bug que j'ai avec mon casque de guerrier. Voilà. On dirait une petite coiffure, c'est un petit chignon, tu vois, qui est sur la tête, voilà. Donc en fait, à chaque fois que je reviens tout simplement sur ma série Arc Mode, quand je quitte Arc et quand je reviens bien sûr sur mon monde, et ben voilà, ça bug, hein, tu vois. Donc je suis obligé d'enlever mon casque comme ça et le remettre, et voilà, tu vois là, hein, c'est déjà plus badass. Donc les amis, merci beaucoup du fond du cœur, comme d'habitude, vraiment, pour tous les pouces bleus, les commentaires, tout, c'est génial. Merci, j'ai beaucoup rigolé sur les derniers épisodes qui sont arrivés en ce moment, parce que beaucoup d'entre vous, et ça c'est ouf, je dis respect les amis, vous avez vraiment un œil du tigre, tu vois, incroyable, parce que vous étiez nombreux à avoir remarqué dans l'épisode, vous vous souvenez, où j'avais croisé le, j'avais vu le cadavre, tu vois, dans l'eau, hein, bien sûr, de cet alpha triceratops, hein, qui était juste là-bas, et ben nombreux, vous étiez nombreux à avoir remarqué justement le triceratops qui tombait de cette, de ce gros rocher, et en fait, l'alpha triceratops avait spawn là-haut, voilà, donc je pourrais plus vous dire exactement à quel moment de la vidéo, j'ai envie de dire où on avait vu, où je l'ai vu, je l'ai croisé, parce que ça je me souviens plus non plus. Mais par contre, il y a un moment dans tous les commentaires, vous regardez, pas mal d'entre vous ont dit que genre c'était, je sais plus vers combien de minutes, on pouvait effectivement voir l'alpha triceratops tomber dans l'eau, hein, parce que moi du coup je suis arrivé là, je me dis bon, bah, il est spawn dans l'eau. Non non, en fait il est vraiment spawn sur le gros caillou et il est tombé, voilà, à la mer, voilà. Donc ah, triceratops à la mer, voilà. Et le pauvre, j'ai pas pu aller le sauver. Ah là, bah en même temps il m'aurait peut-être défoncé, hein, donc j'ai envie de dire. Donc les amis, on se retrouve pour du Arc Mode. Ça fait toujours plaisir de revenir là, c'est incroyable. Franchement, quand je vois les coms et tout dans les dans la section commentaires, c'est un peu logique, hein, sinon je peux pas les voir ailleurs. C'est vraiment génial parce que vous êtes toujours de plus en plus hypé à chaque épisode, parce qu'on sait jamais sur quoi s'attendre. Ah oui, que ce soit vous ou moi, moi y a rien de prévu. Ah bien évidemment, j'arrive, je fais bon alors là on va faire ça, mais attends, des surprises, il y en a plein et on n'est pas prêt, hein, d'arrêter d'en voir, hein, je vous le dis. Donc, avant toute chose, les amis, j'ai envie quand même de me rapprocher sur la forêt, parce que la fois dernière on s'était baladé un tout petit peu, hein, quand même, et on avait croisé cet immense monstre, hein, cet immense bronto, hein, squelettique, hein, d'ailleurs, et beaucoup d'entre vous m'ont demandé si je pouvais le tame. Alors les amis, oui, c'est faisable de le tame, peut-être, je sais pas. Mais on va y aller mollo, hein, si vous voulez bien, parce que j'ai pas envie de mourir, hein, tu vois, j'ai pas envie de mourir. Alors il faut savoir, c'est que moi je m'y suis rapproché. J'ai pas fait de hors caméra directement, j'ai envie de dire, pour farmer ou autre. Mais je m'en suis rapproché par curiosité. Je me suis dit, écoute, je vais aller voir un petit peu, je suis trop curieux. Je pouvais pas attendre quand même une semaine ou un peu moins, bien sûr, pour pouvoir revoir cette incroyable bête à squelettique. Et il s'avère, écoutez, et ben il ne m'attaque pas. Voilà, donc hein, j'ai la réponse à la question. Effectivement, le bronto squelettique ne nous attaque pas. Voilà, donc normalement. Ouais, normalement. Moi, en tout cas, il m'a pas attaqué. Donc, après, bon, est-ce que c'est parce que je sais pas, il était attiré par, par un autre dino qui l'embêtait par là? J'en sais absolument rien du tout. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas été du tout embêté. Et voilà le level 20 qui débarque. 20. Le level 20 qui débarque enfin. Dis donc, celui-là, on l'attendait. Pourquoi? Parce que je voulais absolument avoir ma selle de Triceratops. Voilà, selle Triceratops. Ah ouais, mais attends, du coup, je peux le faire ce truc-là ou pas? Ah, nickel, le Yellow Tribe Height. Oh, on va peut-être pas le faire tout de suite, je crois que j'ai pas assez de perles, mais je sais pas encore ce que c'est exactement, j'ai peur. Si je crafte un truc, il se passe un truc de malade, tu vois, sur la map, tu vois. Donc on va faire très attention. Donc là, on va pouvoir crafter donc la selle de Triceratops. Alors, tout ça, c'est obligatoire. La selle Triceratops, je vous rappelle, elle nous permet de monter sur Triceratops, ce qui est logique, c'est furieux. Mais surtout, bien évidemment, de pouvoir ramasser masse B pour, bien évidemment, avoir des tamis, hein, pour pouvoir tamer plus facilement certains dinos. Parce que bah, le but, c'est quand même de tame, hein, aussi également. Hein, il faut, tout ce qui est Pteranodon, Quetzal et tout, je vais être obligé de les obtenir si je veux me faciliter un petit peu la tâche au niveau du jeu, au niveau de la série. C'est un petit peu logique, hein, comme j'ai dans ma série classique de Arc ou toutes les autres choses, hein, bien évidemment, les amis. Donc, ça on peut le jeter, je vais pas garder la viande avariée parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, donc on va pouvoir du coup donner ceci à notre Triceratops et on va pouvoir enfin voir la vitesse. Ah mais il est moins rapide qu'avant. Ah si, non, non, il est quand même bien rapide, hein.
Oh ouais, non mais t'as déjà vu un triceratops comme ça ou quoi, sans deck? Eh, si je l'augmente la vitesse... Il va être terrible. Il va être terrible. Ouais, il est content, ouais, tu m'étonnes. Attends, il fait quoi là? Ah d'accord, en fait, voilà, il a du mal... Wow. Wow. Oh, la vitesse! Je sais pas ce que c'est, espèce de cœur là, ou de truc qu'on voit. On dirait que, regardez, ouais, il charge. Regardez, plus ça monte. Regardez, plus ça monte, c'est quoi ce truc rouge là, en fait? Ouais. Et plus on va vite. Ah, est-ce que j'avais ça sur le parasol la fois dernière? Non, je l'ai pas. Bon, ça va être la même chose, hein. Par hasard, ouais, ouais, le par hasard il va un peu plus vite, mais ouais, on va dire que ça reste quand même assez calme, assez clair. Bon, alors du coup, j'avais dit que je voulais quand même m'aventurer un petit peu dans les environs, un petit peu, pour voir si je pourrais, entre autres, je sais pas, croiser d'autres dinos que je n'ai pas, croiser d'autres créatures aussi que je n'ai jamais vues. Et puis rien que la fois dernière, on avait eu quand même beaucoup de bonnes petites surprises par rapport à ça. Mais cette fois-ci, j'aimerais partir plutôt de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté, plutôt par là, mais j'avais vu, j'avais cru croiser un alpha et j'avais envie de m'y approcher. Alors, à savoir, c'est que apparemment, on peut réellement tame les alphas, à savoir qu'avec tous les modes que j'ai, chaque dino a son alpha. Ça, c'est déjà énorme, c'est vraiment très cool, parce que du coup, on pourra effectivement en voir, bah, pour la première fois dans le jeu, bah, directement on pourra tame des alphas, ce qui est quand même impossible, je tiens à le dire, dans la série classique de Ark, hein, c'est pas possible, vous pouvez pas tame des alphas, et là on pourra le faire, voilà, mais ça c'est grâce à vous, encore une fois, j'apprends beaucoup de choses par rapport à vous, et je vous remercie grandement les amis, vraiment, merci beaucoup. Alors, je vais quand même faire cette coiffe, parce que je serais pas capable d'attendre, allez vas-y, les fibres, j'ai vu qu'on avait des fibres, j'ai vu qu'on avait des perles, et ça, alors est-ce que je peux la crafter ou pas? C'est quoi Call to Arm? Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un truc que tu dois faire en étant sur un dino? C'est pas vrai. Tu veux voir un petit peu? Ah non, non. Je sais pas. Alors ça, je sais pas du tout. Bon, bah, j'ai essayé. J'ai tenté de la faire, hein, vous êtes témoin. Ah, la musique. Cette musique incroyable et magnifique. Ah, agréable. C'est carrément trop agréable. Alors, j'aimerais bien faire le mortier. Voilà, le petit mortier. Impeccable. Bon, très bien. Waouh, 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 on se calme. Non mais oh, t'as un don, je t'ai vu. Bon, alors, du coup, le mortier, on va le poser là. Alors, savoir, je vous rappelle quand même que cette zone n'est pas la zone officielle où je vais m'installer, réellement. C'est ma zone temporaire, c'est un peu comme sur Ark Co-op, j'ai ma zone pour mes vacances. En plus, ça tombe bien, c'est encore à bord de l'eau. Et bien évidemment, pour le reste, donc, peut-être j'aurai une autre zone, je sais pas. Bah écoutez, je connais pas The Center, donc bon. Est-ce qu'on pourrait crafter, donc, voilà, des narcotiques, voilà, parce que la tête devinée, mais j'ai grandement envie, en fait, de crafter encore quelques petites flèches tranquillisantes, ouais, quoi que... Ouf. Allez, non, allez, on y va. On est fou. Alors, si jamais je croise... Tiens, je vais prendre... Oh, bah, il en a... Oh, mais en fait, c'est sur lui, tout ça. Oh, il a masse truc. Eh, mais tu m'étonnes qu'il arrive pas à courir. Attends, c'est quoi, tout ça, mon pépère, là? Non, 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 tu jettes tout ça. Bon, par contre, c'est vrai que niveau bouffe, on va être tranquille, hein. Tac, tac. T'en as combien au niveau du poids? Ouais, c'est bon. Là, normalement, il va pouvoir aller plus vite. Ah bah ouais. Ah ouais, c'est pour ça que j'arrivais pas à courir vite. Holy shit. Non, mais c'est trop bien, parce que... Du coup, ouais, je peux aller... Ouais, par contre, c'est... Oh mon dieu, c'est incontrôlable. Incontrôlable. J'ai pas d'autres mots pour pouvoir, justement, essayer de faire en sorte de... Ah, attendez. Ah ouais, non. J'allais dire, est-ce que je peux faire la lunette? Non, j'ai pas de quartz. J'ai pas encore croisé de quartz. Et je sais pas où est-ce que je peux avoir du quartz. Mais en tout cas, je suis content parce que mon parasaur court très vite. Ok, donc là... Il y a des chasseurs. J'ai l'impression que... Oh la vache, ils vont tellement vite les alphas. Les raptors. Alors là, j'avais cru voir les amis ici. Un alpha. Ils vont pas venir là quand même. Non, c'est bon, ils vont s'attaquer à la carbonémie. Ok, très bien. J'avais cru voir un alpha et je vous avoue que j'ai très peur. Oh, il est là-bas. On va aller le voir. Chut, pas de bruit. Je regarde quand même que les chasseurs ne viennent pas. Alors, je vais prendre la torche. C'est hyper risqué quand même. C'est hyper risqué, mais je le fais pour vous. Voilà, donc là, on a un alpha dilo de couleur... Voilà, regardez, de couleur bleutée. Vous le voyez? Il est là-bas. Et d'ailleurs, il y a quelques dilos à côté de lui. Et j'aimerais trop savoir si c'est possible de le tamer. Il est magnifique. Il faudrait réussir à le faire sortir de là, en fait. Oh, il est tellement beau. Oh là là, il est trop beau. Est-ce qu'on peut l'aggro? Niveau 22. Ah, ça y est, il arrive. Oh, il court super vite. Ah ah. Oh my god. Ok, c'est bon, il lâche l'affaire, la carbone.
Ah c'est bon, ok. Ok, il y a un Terry. Alors est-ce qu'il est... Ah non, il va s'attaquer au... Non, c'est bon, il s'est pas attaqué. Oh, il est tellement beau. Oh, je le veux. Ah. Ok, c'est bon, je l'ai coincé. Ah non. Fuck. Les arbres. Je me suis fait avoir pour mon propre piège. Ok, alors il s'attaque à... Ok, très bien. Bon, impeccable. On a ramené l'alpha dans le coin. Alors j'aimerais trop savoir si on peut le thème. À savoir que les, apparemment les alphas peuvent être thème uniquement avec certaines choses. Ah non mais là c'est pas bon là. Ah c'est pas bon. Ok, on va arrêter avec les torches. Non. Oh. Wow. Oh. Mais il fait super mal en fait. Putain c'est logique hein. Oh la gluée verte il nous lance. Ok c'est bon. Wouah mais je suis tellement pas prêt de le time lui. Oh my god. Mais il est violent. Il est ultra violent. OMG. Regardez on voit un chasseur là-bas qui se met à courir. Ah non mais non. Et avec des... Même avec des bolasses ça peut être compliqué. Attends est-ce que je peux les apprendre les bolasses? Ouais je peux les apprendre. Oh il y en a de 45. C'est l'enfer. Ouais, mais attends, est-ce que je peux l'immobiliser? Et après, à savoir, est-ce que je peux le tame? J'aimerais bien au moins l'essayer de l'endormir. Au moins, si jamais je peux l'endormir, rien que ça, ça serait quelque chose de gagné. Parce que, si je peux pas le tame tout de suite, c'est pas grave, c'est pareil. Je veux dire, je peux toujours... Ouais, c'est bon, il est là. Il est tellement beau, franchement. J'espère que vous l'avez bien vu. Bon, je pense que, vu comment il me collait aux fesses, ouais, vous l'avez bien vu. Mais par contre, qu'est-ce que... Eh, mais la torpeur, il me l'a fait monter à la moitié. Non, mais c'est un malade. Moi, il me touche, je suis endormi direct et il me défonce. Hein. Ok. Donc je vois pas d'autre solution à part lui balancer des bolasses. Et encore, même ça je suis pas sûr que ça soit convaincant. Parce que le problème c'est que je sais pas si ça va immobiliser un alpha comme ça. Est-ce que je peux crafter les bolasses? Ouais, des pierres, de la peau. Ok, j'espère qu'il va pas venir là. Parce que sinon je suis mort. De la fibre et de la peau, Voilà, super, allez vas-y, craft. Impec. Ok, parce qu'une fois après à la limite que je l'endors, je le lâche plus quoi. Je ne le lâche plus. Ok. Alors on va tenter un truc de malade. Parce que normalement je crois pas être... Enfin vu les dégâts qu'il me fait, je suis pas censé au moins m'attaquer à un alpha maintenant. Oh là là, le stress. Eh mais heureusement qu'on par hasard il court vite hein. Heureusement qu'il court très vite hein, quand même. Bon vous savez quoi les amis? Bon j'ai tourné en rond, je me dis bon allez on y va. On est des chasseurs, on n'a pas peur, on peut y aller. Bon allez, quand on y va de toute façon, est-ce que je peux utiliser... Ouais je peux utiliser sur le par hasard. Ça peut être une bonne chose d'ailleurs. Parce qu'il est là. De toute façon ça va pas du tout marcher ce que je veux faire mais... Oula. Est-ce qu'il me suit? Ok il m'a suivi, il m'a pas suivi c'est bon. Ou alors attends j'ai une idée. Il faudrait que j'arrive à le coincer en lui tirant une flèche à la face. Peut-être. Parce que attends ouais, ah ouais. Bonne idée ça. On va éviter de tirer sur notre par hasard. Ah ouais, il est un peu loin quand même. Vas-y, décale un peu comme ça. Oh, il est bien là. Enfin, un petit peu. J'aurais juste la tirer en fait. Ok, il a pas dû aimer. Allez. Je l'ai aux fesses. Wouah. Ce qui est. Il est. Ah, ah. Wouah. Et vite. Oh non. Il a pas esquivé. Il arrive. Non, il arrive pas. Ok. Bon, il lâche l'affaire quand même au bout d'un moment, mais là, bon, là, mon par hasard, il va dormir. Oh non. Vite. Fais dodo là-bas. Fais dodo là, voilà. Au pire, voilà. Allez, bon courage. Bonne nuit, mon ami. On t'aime fort. La torpeur, est-ce qu'elle monte? Oh, elle remet ça. Waouh. On a eu de la chance. Alors, à mon avis, ouais, faut pas rêver, hein. Ça va vraiment être chaud patate, hein. Mais c'est horrible. Ah, il est sur un rocher. Ok. Oh, il est magnifique le pternonon là. Blanc et noir. Waouh, il est trop beau. C'est vrai que je le capture tout de suite, mais. Ouais, je vais au moins. J'aimerais bien essayer de balancer ça. Ok. Il s'en fout. Ok, très bien. Il s'en fout. Ok. Ok, donc ça n'a pas l'air de marcher sur les. Ça ne marche pas. Ok. Bah, au moins, on a notre réponse, hein, je veux dire. Ok, attends. Est-ce que je peux prendre l'arbalète là? Je peux la prendre. Il faut tourner un peu. tourne un petit peu. Un peu à gauche. Ok, c'est plus la peine. Ouais, je pense. À mon avis, je pense qu'il s'en fout. Ouais. À mon avis, je pense que. Il n'y a pas moyen de l'endormir comme ça. Où est-ce qu'il est? Ouais, non, il s'en fout complètement, quoi.
Où est-ce qu'il est? Attends, est-ce qu'il veut grimper là? Ouais, il peut. Non, il va s'attaquer à un terrain dedans. Ouais. Donc, à mon avis, je pense qu'on va laisser tomber les gens parce que. Non, mais attends, il. Non, en fait, il a rien senti au bolas. Il sent rien. Bon, en même temps, c'est un alpha quoi. Donc, c'est un petit peu logique. Bon! C'est pas grave. On a croisé un alpha dilo. Ce qui est bien, c'est qu'on l'a ramené ici. C'est pas forcément. Je dirais très grave parce que comparé au Carnot, il a pas l'air d'avoir une aggro très ouf non plus. Donc voilà, donc c'est pas bien grave. Franchement, ça me dérange pas tant que ça. Du coup, plus sérieusement, alors on aura après du coup, on peut faire maintenant les flèches. On a ça au niveau de ce truc là. Tiens, vous étiez nombreux à me demander si je pouvais recrafter un casque. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Est-ce que je peux crafter un casque? Le casque. On va tester, on va les tester dans l'ordre. Ouais, le mieux serait de tester dans l'ordre. Moi j'ai actuellement j'ai celui-là. Voilà, donc on va tester celui-là, faut voir un petit peu à quoi il ressemble. Hop. Ah, je peux pas, c'est dommage, je peux pas mettre ça dans l'inventaire. C'est un peu dommage. Ah bah ouais, mais ça pèse pas donc c'est bon. Ça pèse aucun de poids. Oh, fais voir, il a l'air. Ouh, il est stylé celui-là. Oh, il est très stylé, il est vraiment pas mal. Là, c'est vraiment un petit peu le dompteur de Wyvern. C'est moi le pterandon là, mais il marche sur l'eau. Non, c'est bon, ça va être un bug. Bon, très bien. Voilà, bon, alors on va quand même essayer de retourner. Le problème c'est quoi là maintenant, donc du coup à gauche on a un dilo. Ça peut être bien, parce que du coup ça peut être une défense contre les chasseurs. Moi je dis on va pas tant se plaindre que ça. Après tout, c'est pas, je veux dire, je préfère largement avoir un dilo à côté de chez moi qu'un Carnot. Parce que le Carnot a une aggro quand même beaucoup plus importante que le dilo, hein, on l'a pu le constater au fil du temps. Bon, alors j'aimerais bien retourner un petit peu par là du coup, à contresens du coup, bah maintenant du dilo, hein, c'était pas prévu mais maintenant c'est le cas. Et du coup, par contre il va faire nuit bientôt, donc ça c'est vraiment pas cool. Il fait... Attends, il est quelle heure, là? 17h. Oh, mais il fait vachement sombre sur le center, quand même, hein. C'est un truc de malade, hein. Il fait nuit... T'as l'impression qu'il fait nuit très tôt. Ah, c'est les heures d'hiver, tu sais, ici. Il y a toujours le bébé raptor qui a peur de moi. Très marrant. Et l'adolescent raptor aussi qui a très peur de moi. Ok, donc là, on a toujours, bien évidemment, l'incroyable bronto-squelettique qui est présent. Et regardez, si je m'en approche, vous allez voir qu'il ne va pas m'attaquer. Voilà, regardez. Je peux me mettre là. Il n'y a aucun souci, voilà, à se faire. Voilà, donc au moins c'est réglé. Voilà, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Voilà, il vient nous voir, on a l'impression qu'il veut nous voir, mais il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Alors, là... les amis, alors c'est bon, donc je suis rentré à la maison. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu la partie, bien sûr, avec le bronto squelettique, mais ce n'est pas fini, car les amis, en reparlant un petit peu des commentaires, vous étiez nombreux à me dire. Furious, est-ce que tu peux le capturer tout simplement? J'avais t'as vu, j'ai essayé de faire tame et capturer en même temps, ça donnait capturer. Voilà, essayer de capturer les deux petits dodos. Alors oui, effectivement, hein, les deux beaux dodos qu'on a eu la fois dernière. Apparemment, on peut les monter. Bon, hein, ça on me l'a dit une paire de fois. Hein. J'y ai cru, je t'avoue. Hein. Et waouh, il y en a encore plus qu'un. What? Mais qu'est-ce que c'est que un alpha dodo? Un mal prime dodo. Holy shit. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non. Oh. Est-ce qu'ils vont m'attaquer si je leur tire dessus? Oh mais... Oh, ils sont trop beaux. Ah. En fait, c'est quand t'as les trois, tu crois? Tu déconnes. On va voir ça. Attends, je veux capturer le rose. Il est trop beau, le rose. Ah non, le bleu, là. Les deux sont beaux. Ah, on va essayer de pas tirer. Oh, oh, oh. Un peu plus si je faisais une grosse gaffe. On va essayer de pas tirer, j'allais dire, de flèches sur... Non, poussez-vous. Ok, ah, attends, c'était le bleu, là. Attends, arrête-toi. Mais non, arrête. Oh. Il se passe un truc. Wow. Pourquoi t'attaques, mon parasaur? Méchant. Non, non, il se prend pour qui, lui? Mais sérieux, tiens, regarde, ça fait le malin et ça s'est pas nagé. Non, bah alors là, mon gars, quand tu vas revenir sur la terre ferme, tu vas prendre tellement cher, t'imagines même pas. Non, mais d'où? Non, mais attends, c'est bon, il a pris assez comme ça. Il est où? Il est où? Ah ah! La bête est là. Vas-y, ramène-toi. Il va se manger ça, déjà, il va s'en souvenir. Hop là, allez, ça c'est fait. Alors, on va s'arranger, les amis, vous allez voir, ça va aller très vite. Oh là là, oh là, il va pas aimer la dernière, attention. Headshot. Voilà, ok. Je savais que ça allait marcher. Non mais oh, pour qui tu te prends, mon gars? Bon, alors je disais donc, les dodos. Parce que oui, c'est un petit peu la base du truc. J'avais vu que vous étiez nombreux à me dire, Furious, capture-les. Avec grand plaisir. Alors, voyons voir. Où est-ce qu'ils sont? Ils ont pas bougé? Non. Mais pourquoi ils sont toujours dans les pattes?
Petit Bronto, quoi. Alors, attends. Doucement. Alors, voilà, lui, j'aimerais bien l'avoir. Mais attends, le problème, c'est que... Mais non! Mais à cause des vibrations... Tu vas arrêter de vibrer! Mais... Je suis en train de devenir tâche. Ah! Mais pourquoi ils se sont mis là? Ah bah... Oh! Oh! Je me fais victime par des dodos! Ah! On se bat! Ah! Mais c'est quoi ça? Holy shit! Oh, mais c'est la victime aujourd'hui! Je me fais victime, les gens! J'en ai marre! Je me fais victime par les... Par les dodos, quoi. Ok, ils arrivent, regarde, quand tu vois un gang comme ça qui arrive... Oh la vache! Elle a l'air violent quand même! Ouais, wow! Eh mais les badass! Ils vont pas traverser l'eau. Mais non! C'est un truc de fou, les gens! Les bêtes! Non mais attends, un dodo, normalement, il se prend deux flèches, il est down, mais là, c'est comme un alpha, en fait. Oh, mais aujourd'hui, c'est le rendez-vous des alphas, hein. C'est un truc de malade mental, hein. Ok, il arrive. Il va venir avec son gang. Vas-y, ramène-toi. Il s'en fout. Tu crois, toi? Oh, il fait super mal. Oh, j'ai été volé. Oh, il m'a volé. Oh, on m'a volé mon casque. Oh non. On me vole tout. Oh, j'en ai marre. Mais regardez-moi ce gang. Je me fais défoncer par des dodos, quoi. Mais non, et on m'a volé mon casque. Fuck. Non, mais c'est dingue. Oh, les gens. Eh, je suis vraiment pas prêt. Je suis pas prêt pour les alphas. Oh, je vais... Mais non, mais... Il vient, en plus, lui. Il va pas venir. Eh, si, il va venir. Regarde bien, tu vois, s'il va pas venir. Oh non, il va pas venir quand même. Attends, viens pas là, petit, c'est une connerie. Touché. Est-ce qu'il s'endormira avant? C'est ça, ouais, t'as de l'espoir. Non, mais il va s'endormir quand même. Mais il s'en fout. Is. Ouais. Ah. Excuse-moi, je gueule comme un malade. Ah, tu fais moi le malin. Et voilà, mon gars. C'est quand même ça que ça marche, il fait le père. Bon, alors après cet incroyable hurlement de malade pendant toutes ces secondes, et bah je vais enfin essayer de tame cette bête. Donc je vous dis, et bah à toutes les amis. Je suis choqué, à toutes. Et voilà, c'est bon les amis, j'ai tame le Prime Dodo. Alors en fait c'était super rapide, mais le truc c'est que quand je l'ai eu tout simplement quand j'ai fini le timing, en fait, si vous voulez. Voyons, il y en a des terrains devant. Quand j'ai fini le timing, en gros, bah, il allait faire nuit et du coup, j'ai préféré AFK. Voilà, comme ça, vous n'avez absolument rien raté. Voilà, donc on peut monter ce dodo. C'est génial. My god. Bon, par contre, à mon avis, alors, fais voir au niveau de ses points de vie, il est comment? Au niveau de ses points de vie, 935. Waouh. Non, mais il est violent quand même. Il est combien? 900... Ah, 600... Waouh, il a plus de points de vie que le Triceratops. Oh mon dieu. Tu vois quand tu dégommes... Oh! Il fait super mal en vrai. T'augmentes les dégâts pour voir. Oh les chètes! Mais c'est quoi ce truc? C'est une nouvelle arme de destruction massive. C'est le projet Dodo. Oh, excellent. Quand tu vois ça arriver... T'as peur. Oh, énorme, les gens, c'est énorme. C'est excellent. Mine de rien, je suis pas mécontent parce que j'ai quand même, bon, effectivement, raté le Dilo de tout à l'heure, hein, mais en même temps, le Dilo était quand même très, très fort. Et là, c'est un Prime, c'est pas vraiment un Alpha. C'est un petit peu, j'ai l'impression, comme les Allosaurus. Vous savez, quand ils sont trois, il y en a un des trois, bien sûr, qui tient vraiment l'Alpha, entre guillemets. Et là, pour le coup, c'est génial. C'est excellent, les amis. Je suis trop content. Il est magnifique, hein. Franchement, c'est bête, hein. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Je suis sûr que je peux rentrer avec la musique. Allez, on rentre. Ah non, dommage, je rentre pas à la maison. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais ce dodo est splendide. Pour un dodo, hein, il est vraiment splendide. Oh les gens, c'est incroyable. C'est incroyable. Et ben voilà. Et ben les amis, j'ai capturé
un prime dodo. Ah, oh, c'était génial. On aura vu deux belles bêtes hein, aujourd'hui quand même. Encore une fois plus. Bon, là pour le coup quand même j'en ai capturé une, donc je suis très content. C'était génial. Et bah écoutez, les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui pour cet épisode de Arc Mode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, je vous demande pour cet incroyable dodo de faire exploser la barre de pouce bleu comme d'habitude, ainsi que vous abonner à la chaîne et partager la chaîne et la vidéo. Je vous remercie. C'était Vodjumper. Je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.